le samedi 19 décembre prochain, au Puy du Fou et en direct sur TF1, elles seront 29 jeunes femmes à se disputer la couronne de Miss France 2021 et ainsi succéder à Clémence Bottineau, élue l'année dernière. Anlia Sharifa sera l'une de ces 29 prétendantes. La jeune femme de 23 ans a été élue Miss Mayotte 2020 le 7 novembre dernier à Mamoudzou, préfecture de ce département français situé dans l'océan Indien. Closer vous propose de découvrir celle qui sera, peut-être, bientôt élue plus belle femme de France. Il y a quelques semaines, au lendemain de sa victoire régionale, Anlia Sharifa remerciait ses soutiens et promettait de représenter au mieux Mayotte. Un nouveau challenge nous attend, celui de vivre ensemble l'aventure Miss France. Je vous promets de donner le meilleur de moi-même pour représenter au mieux notre belle île à ce concours et durant cette belle année de règne, écrivait-elle, sur son compte Instagram d'ores et déjà suivi par près de 8,000 personnes. L'année dernière, la jeune femme était arrivée à la seconde place lors de l'élection de Miss Mayotte 2019 remportée par Eve Labourdère. Cette dernière n'était pas présente parmi les 15 finalistes de Miss France 2020. Anlia Sharifa, mon père est marais et ma mère vient de Madagascar, titulaire d'un master en création audiovisuelle qu'elle a passé dans la région de Lyon, Anlia Sharifa est très fière de son île et de ses racines. Sur son compte Instagram, il y a quelques jours, elle révélait ses origines. Pour ceux ou celles qui veulent me connaître un peu plus. Mon père est marais et ma mère vient de Madagascar. Je puise dans cette diversité d'origine ma force et mon caractère, confiait-elle. Du haut de ses 177 cm, elle sera l'une des plus grandes prétendantes à l'écharpe de Miss France 2021. Une élection dont elle pourrait bien être l'une des favorites.